Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sifano et bienvenue dans ce second épisode de notre Nuzlocke Challenge sur Pokémon Saphir Alpha. J'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super et je tiens vraiment à vous remercier pour le super accueil que vous avez réservé au jeu les amis, vraiment ça m'a fait super plaisir. Alors, pour vous dire, vous le voyez sûrement autour de moi, il fait noir, pourquoi? Parce que j'ai décidé de tourner le second épisode juste après la sortie du premier. Quand j'ai vu les retours et tout, ça m'a donné encore trop envie d'y jouer tellement je kiffe et je suis content parce que ça apparemment d'après vos retours ça s'est ressenti que je prenais du plaisir, peut-être plus que sur d'autres vidéos. Et ça me touche parce que... C'est vrai, c'est sincère, je suis comme un gosse là devant ce jeu et le fait de devoir attendre pour y jouer, c'est frustrant. Donc il est possible, peut-être les prochains épisodes, j'en tourne quelques-uns comme ça, 2-3 à la suite quoi. Donc, on est toujours avec Poussin Pillou, notre petit Poussin Pillou. De niveau 8 et tout, on va aller le soigner et puis on va gentiment se mettre en route en sachant qu'on a des Pokéballs maintenant. Et donc, vu qu'on a des Pokéballs, eh ben ça peut être sympa. D'essayer de capturer un Pokémon. Alors, on va... Déjà, on va les soigner. Je crois que notre mère peut nous soigner, il me semble. Est-ce qu'on peut? Est-ce que tu peux nous soigner? T'as l'air fatigué. Tu devrais te reposer. Parfait. Donc déjà, sur cette route, on peut avoir quoi? On peut avoir des Chenipot, on peut avoir des... Bah, des Mediena, vu qu'on en a affronté un. Et des Zigzaton. Je sais pas ce qui serait le mieux, honnêtement. Peut-être... Attends, Julien! J'allais dire peut-être un Mediena, mais encore que, c'est pas sûr. On va voir. Alors, Julien, tu as fait connaissance avec le professeur Seiko? Oh, quel adorable Pokémon! C'est lui qui te l'a donné? C'est gentil de sa part. Tu es bien comme ton père, tu adores la compagnie des Pokémon. Quand je pense que tu possèdes ta propre équipe, ton père serait fier de toi. Mais je t'en prie, fais bien attention. Si tu as le moindre problème, n'hésite pas à rentrer à la maison. Bon courage! Merci maman. Et du coup, elle me donne pas les chaussures de sport. Habituellement elle me les aurait donné, mais là on les a déjà puisqu'on peut courir. Je suis toujours autant à fond devant les cinématiques. Qu'est-ce qui se passe encore, Julien? Oh. Tiens, de la part de mon père, il avait oublié de te le donner tout à l'heure. Une mise à jour du Poké Multi Navy. Vous pouvez maintenant consulter le Poké Multi Navy. Ça a ajouté une nouvelle fonctionnalité sur ton Poké Multi Navy, le Navidex. Ça te permet de consulter des informations sur les Pokémon qui vivent là où tu te trouves. C'est vraiment très utile pour remplir son Pokédex. Bon, je vais chercher des Pokémon par là-bas, j'ai bien envie de mettre ce Navidex à profit. Quant à toi, n'hésite pas à utiliser les Pokéballs que je t'ai donné tout à l'heure pour attraper les Pokémon. Ok. Alors c'est vrai que j'ai pas trop regardé l'écran du bas. Alors attendez. Si je clique comme ça... Ah, Pokédex de ON. Pokémon capturé 1, Pokémon vu 5. Ouais bon, ça c'est le Pokédex tel qu'on le connaît. Ok, je regarde un petit peu. Donc là je regarde en bas parce que je regarde l'écran de la DS hein, tout simplement. Vu que c'est tactile. Ça c'est quoi? Ça c'est mon... Ah non mais en fait, c'est juste les raccourcis. Oui, voilà. Oui, je suis bête. Par contre c'est ça peut-être qui est différent, ouais. Faut que je clique là. On a la carte. Biotope. Route 103, route 101. Bon. Écoutez, je pense que de toute façon, on va faire pas mal de captures dans un premier temps. Histoire d'avoir un Pokémon qu'il nous faut pour notre équipe. Non, ça, on peut pas passer par là. C'est quoi là-bas? Qu'est-ce qu'elle fait là, Flora? Elle va encore nous parler. Pensez. Par contre, ah oui, alors, j'ai bien envie de tester un truc. Parce qu'on l'a pas vraiment testé ça là. Comme ça, avancer comme ça. Voir si vraiment ça empêche les Pokémon. Enfin, en tout cas, ça limite. Hop, ça marche, on dirait. Bah, ça marche. On va tester, on va voir, on va essayer de continuer comme ça. Qu'est-ce qu'elle veut? Julien, par ici! Regarde! La queue d'un Pokémon! Tu crois qu'il se cache? Hihi, c'est mignon. Waouh, c'est quoi ça? D'après le Navidex, je vois qu'il possède une capacité rare. Une capacité rare? Approchons-nous doucement! D'après ce que j'ai eu dans le livre, il faut pousser le... Ouais, bah tu vois, je viens de tester. C'est un Pokémon avec une capacité rare. N'oublie pas, il faut pousser le pad. Ou si on pouvait l'attraper. Vu que c'est notre premier Pokémon rencontré sur cette route depuis qu'on a les Pokéballs, on s'était mis d'accord. Hein. Allez. C'est parti. Qu'est-ce que c'est? Comme Pokémon déjà. Un Mediena. Il a une capacité rare. Il a quoi comme capacité rare? Il est niveau 5, c'est bien ça. Parce que oui, l'un des problèmes aussi, c'est par exemple si j'attrape un Chenipot,
C'est cool, mais il va être niveau 2, et vu qu'il a pas le droit d'être KO, enfin s'il est KO, il est mort. C'est un peu... Ah, il a Crogivre. D'accord. C'est ça sa capacité rare. Ça peut être bien Crogivre. Ah ouais. Est-ce que je tente... Attends, on va tenter de lui lancer une Pokéball comme ça. C'est vrai que si... Donc ce que je disais, si j'ai un Chenipot niveau 2, c'est cool, mais après pour l'entraîner, ça va être compliqué. Allez, go. Et du coup, normalement, je gagne de l'XP si je l'attrape. Allez. Oui! Mediena attrapé. Ah bah écoutez, j'aurais pas cru qu'on ait un Pokémon comme ça. C'est plutôt cool. Je pensais pas qu'on aurait... Moi je m'attendais à me frapper un vieux Chenipot niveau 2. Mediena, nanana. Nombre de rencontres 2. Mediena est omnivore, il mange de tout, ses crocs sont très gros comparé à son corps. Ce Pokémon essaie d'intimider ses ennemis en hérissant les poils de sa queue. Voulez-vous donner un surnom à Mediena capturé? Bah oui, du coup, mais alors, du coup, comment on va l'appeler? C'est un mâle. Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? Faudrait trouver un truc en rapport avec son attaque. Il a Crogivre. C'est possible ça qu'un Pokémon, qu'un Mediena ait Crogivre? C'est rare, ou alors. C'est une des nouveautés, peut-être. Il a Crogivre. Ah, j'ai peut-être ma petite idée. J'ai peut-être ma petite idée. Par contre, faut juste que je vérifie l'orthographe. Ok, c'est bon, j'ai vérifié. Donc, on va l'appeler. On va l'appeler pour ceux qui connaissent ce livre. Qui est, moi, je l'avais lu à l'école. Hein. On va l'appeler Croblanc. En référence donc à ce chien loup. Ce qui, ça tombe bien parce que Mediena, c'est un. Je sais pas trop si c'est un chien ou un loup d'ailleurs, mais. C'est une sorte de chien. Et il a une, quand même une dégaine de loup. Et pourquoi Croblanc? Nous, en l'occurrence, la dédicace, elle est au fait qu'il ait une attaque glace. Blanc, ça évoque un peu la neige. Donc le froid. Non, je suis pas crédible. Si, bon, ça va, vous comprenez la référence. Bon, allez, on va l'appeler Croblanc. C'est parti. Et du coup. Du coup, on l'a dans notre équipe. Oh, dégaine. Ça, niveau 5, c'est pas mal. Il a quoi? Ah, du coup, il a que Crogivre, par contre. Ouais, grondement, mais... Il a une attaque glace. Tout va bien. On est au début du jeu. On a un Pokémon qui a une attaque glace. Tout va très bien. Tout va bien. Ok, bon, maintenant, il va falloir l'entraîner un peu, par contre. Incroyable, bravo. Tu sais, même si j'ai davantage l'habitude, je suis loin d'y arriver à tous les coups. Ouais. On va peut-être l'entraîner un peu. Du coup, mais peut-être sur la route du dessus. Comme je vous ai dit, pour le moment, les entraînements... Quoique l'entraîner, je sais pas. Mais il y a possiblement un Pokémon à avoir au-dessus. Donc, on va essayer de l'attraper. En sachant que j'ai complètement oublié de dire un truc la dernière fois. Si le Pokémon qu'on rencontre... au début, par exemple, là, lui... on le tue ou on fuit... Bah tant pis, on ne peut plus capturer de Pokémon sur cette route. Donc bon, faut faire attention. Donc on va aller ici, essayer de voir ce qu'il y a. Je crois qu'il y a des Goélises ici, non? De mémoire, il y avait des Goélises. Si on pouvait trouver un Goélise, ce serait bingo. D'ailleurs, elle m'a rien dit, Flora. Faut peut-être que je retourne la voir, non? Ah ouais, c'est un Zigzaton cette fois. Du coup, on va quand même essayer de l'attraper. Ça nous servira toujours si un jour on en a besoin. Bah, Crogivre, du coup. Ah, mais on a eu du bol, hein. Est-ce que... on va essayer de le capturer. Attends, on va passer par là. Dernier objet utilisé. Tant qu'à faire, autant faire le stock. Parce que voilà. Et parmi les règles optionnelles qu'il y avait, il y a une règle qui dit... Tant qu'à faire, pas capturer deux fois le même Pokémon. Genre si on retombe sur un Zigzaton plus loin. C'est bon, on l'a. Si on retombe sur un Zigzaton plus loin, peut-être le laisser tranquille, quoi. Donc bon. Faudra voir. Je suis en train de me demander, qu'est-ce qu'on en fait de ce Zigzaton? Est-ce qu'on le garde dans notre équipe? Ou est-ce qu'on le met au PC? Je pense qu'on va le mettre au PC pour le moment, parce que finalement, un Mediena, c'est un peu le même genre de Pokémon. Donc pour le moment, on va le mettre au PC, même si dans la... Ah, il a peut-être une capacité. Attendez, déjà, comment on va l'appeler? C'est une femelle. Un Zigzaton. Je
J'ai pas trop d'idées, je vous avoue. Il y a beaucoup là, ça y est, on capture, c'est parti quoi. On va l'appeler. On va essayer de rester dans le zig de Zigzaton. Vu que c'est une femelle. Ah moi, ouais, moi ça me rappelle quelque chose. Attends, on va l'appeler comme ça. On va l'appeler Ziga. C'est un peu féminin. Ça me rappelle c'est quoi, c'est Zira dans le Roi Lion, je crois que c'est comme ça, dans le 2, il me semble. Bref, voilà, on va l'appeler comme ça. Du coup, on va vite fait quand même entraîner un petit peu notre Mediena. Mais bon, ça nous fait un Pokémon en plus qui est plutôt cool. Enfin, l'entraîner en fait, je sais pas. Non, on va peut-être redescendre tout simplement. On va aller voir ce que nous dit Flora. Et ensuite, on va continuer. Si on arrive à choper un Tarsal, c'est bingo, les amis. Hein. Si on arrive à choper un Tarsal, c'est bingo. Mais... faudrait vraiment avoir beaucoup de bol pour choper un Tarsal direct, quoi. Je pense pas que ce soit possible. Maintenant, on verra. Du coup, alors, attendez. On va bouger. Déjà, moi, je trouve qu'on a énormément de bol pour lui. Non, c'est... Ah, il n'y a pas à dire, on a du bol. Du coup, capacité ramassage. Ouais. Et il a une super potion sur lui. Donc on va le garder avec nous. Pour le moment, hein. Parce qu'il a ramassage, donc il peut me ramasser des objets bien cool. On va le garder avec nous. On va lui retirer sa potion d'ailleurs. C'est ça l'avantage des Zigzatons. C'est pour ça que je voulais vérifier sa capacité. Je vous dis, je connais un minimum quand même la génération, quoi. En live, c'est toujours un peu différent. Parce que t'es là, t'avances vite. Tu fais gaffe au chat et tout. Donc c'est assez différent. Mais cette génération, je la connais un minimum. Surtout pour l'avoir fait il y a pas si longtemps. Du coup, on va le garder avec nous également. Pas sûr qu'on va l'entraîner, il va juste être là en mode je ramasse les trucs. Mais bon voilà, j'ai vraiment l'intention de capturer en masse, hein, vu que je pourrais pas capturer autant que je veux. Dès que j'ai une route, je vais essayer d'en capturer un, quoi. Donc normalement maintenant on doit pouvoir avancer. Qu'est-ce que t'as à me dire, toi? J'ai fini de reproduire les empreintes d'un Pokémon rare, mais elles se ressemblent étrangement à mes propres pas. Ouais, bon. Ah, c'est carrément un changement de zone. Ah ouais, la caméra est différente. Wouah! Ah, ça c'est cool le coup des Goélise. Ah, j'aime beaucoup. Est-ce qu'on... J'allais dire, est-ce qu'on va dans les herbes tout de suite? Ah mais attendez, c'est peut-être encore un Mediena. Mais il faut que je découvre. Bon, on va prendre le risque. Je me suis fait brain. Je me suis fait brain, j'ai trop attendu. J'allais dire justement, est-ce qu'on va dans les herbes tout de suite, ou est-ce qu'on essaie pas de voir s'il n'y a pas un Pokémon encore comme ça? Donc ça, a priori, ce serait les Pokémon rares. On va faire des combats, je crois, c'est un dresseur, lui. Je vois que t'as un Pokémon avec toi, c'est que tu dois être un dresseur, tu peux pas refuser mon défi. Parfait. Le truc, c'est délicat d'aller... Je voulais y aller, j'ai pris le risque, mais ça se trouve, ça aurait été encore un Mediena. Donc va falloir faire gaffe. J'essaierai de me renseigner. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire... si c'est tout le temps des... Enfin, la queue qu'on voit, si c'est celle d'un Mediena sûr, ou si c'est juste l'animation qu'on a décidé de mettre pour dire il y a un Pokémon rare là-dedans. Parce que selon, c'est très différent, quoi. Ah, Zigzaton évite l'attaque. On va quand même faire attention, il ne faudrait pas qu'il meure. Oh, Crogivre, c'est quand même stylé, hein. Si on m'aurait dit que j'avais un Pokémon avec Crogivre, tu veux pas le geler, genre? Oh, on va faire attention. Gèle-le, vas-y. Allez, on le retente un coup. L'attaque baisse. Ah, il esquive. Tiens, on va lui faire grondement, nous aussi. On va voir, pas de coup critique. Ok, ça va être chaud. Ouais, donc notre attaque augmente, mais... On va utiliser une potion, elles sont là pour ça. J'ai pas forcément envie de... J'ai une super potion même. J'ai pas forcément envie d'envoyer le poussin Piyou tout de suite. On va essayer de s'en sortir nous-mêmes. Hop. Ouais, bon, grondement, on laisse tomber. Parce que de toute façon, il va me la rebaisser, mon attaque. Du coup, on va faire que Crogibe. Il a pas d'autre attaque, genre une vive attaque ou quoi. Parce que bon, c'est bien une attaque glace, mais c'est pas forcément tout le temps utile, quoi. Sérieusement. Tu pourrais l'attaquer ? Allez, touche-le.
Yes! Coup critique, parfait. Magnifique. 48 points d'expérience. Et on est presque niveau 6. Ah, oh, j'ai perdu. J'aurais dû davantage entraîner mon Pokémon. C'est ballot. Alors. Y a quelque chose. Ah, ça, c'est un autre Pokémon. C'est quoi? On y va. On y va, de toute façon, c'est un Pokémon rare. Donc c'est bon, j'ai ma réponse en fait. La queue, c'est un Medienna. Et là, c'en est un autre. Qu'est-ce que c'est? Un Enupio. Un Enupio. Bon. Ça peut être utile, je crois que c'est plante eau, c'est ça? Niveau 5 en plus. Donc ça c'est bien parce qu'ils ont des niveaux assez hauts. Du coup on va le tenter. Ça pouvait le geler en fait, ce serait bien que ça le gèle, ça m'arrangerait pour la capture. Je vous dis pas comme je fais gaffe quoi, j'ai juste pas envie de me foirer. Je fais méga gaffe. On est bien sur une autre route là, bah oui je suis bête. On est bien sur une autre route. Ok, là je pense que dans ce... Voilà, ça me rend confus, d'accord. Ah oui, parce que donc normalement, si j'ai bien suivi, tous les Pokémon de ces herbes ont une capacité spéciale, si j'ai bien suivi. Ah, c'est cheaté en fait. Enfin, c'est cheaté. Dès qu'on en voit un, on se jette dessus et on aura un Pokémon a priori plus fort qu'à la normale. Parfait, voilà, Nénupio. Bah, écoutez, pour l'instant, ça se passe bien, on fait le petit stock. Niveau 6, Croblant. C'est beau, Croblant, comme nom, moi j'aime bien. Les données de Nénupio sont ajoutées au Pokédex. Comment on va l'appeler, lui? Je sais pas comment on pourrait l'appeler. Il a une tête plate. Dessous de plat, on va l'appeler. Non, je déconne. C'est un mâle. Je vous avoue que je sais pas du tout comment l'appeler lui. En rapport avec sa feuille sur le dessus. Bon, après, ils vont évoluer évidemment, mais bon. En rapport avec sa feuille sur le dessus. On va l'appeler. Alors, ça, là, la dédicace, elle est d'ailleurs. Ouh, je sais pas si ça passe. Ah, ça passe pas. Du coup, faut trouver une abréviation. Attendez. La dédicace là, elle est. Ah, ça passerait, mais bon, on va. Vu que c'est bizarre. On va l'appeler comme ça, feuille morte. Feuille morte. Pourquoi en fait, je sais pas, vous c'était pareil. Moi je me rappelle quand j'étais plus jeune avec Zef et d'autres potes, quand on allait à la piscine, il y avait un truc qui s'appelait la feuille morte. C'est genre tu sautais et tu te laissais tomber, genre. Bien à plat et tout. Et du coup, vu qu'il a une feuille plate, ça me fait penser à ça. Voilà, c'est très bizarre, on est d'accord. Mais voilà, voilà à quoi ça me fait penser. Du coup, il a quoi comme attaque lui? J'ai eu l'impression qu'il avait pas. Il a danse folle et rugissement. Qui rend confus tous les Pokémon autour du lanceur. C'est super, donc en fait t'es pas utile du tout toi. Ça va être du coup complexe de l'entraîner. On va aller se soigner. Ouais, alors pour l'entraîner, il va falloir faire des switches. Pas le choix. Pas le choix, pas le choix, pas le choix. Est-ce que je suis en train de penser à quelque chose? Quelque chose qui nous serait bien utile, on va se l'avouer. Vu qu'il y a toujours le système d'XP avec la Pokéball. Comme dans XY, est-ce que de la même manière il y a le nouveau système de multi-XP? Parce que le multi-expérience XY est quand même assez cheaté. Pas se le cacher, il est quand même assez cheaté. Tous tes Pokémon prennent tous de l'XP. Et si c'était ça me serait très utile pour un Nuzlocke, on va pas se le cacher. Donc ce serait bien. Donc là, on a un insectologue. Du coup, on va mettre Feuille morte devant.
Et on va switcher ensuite. Hop, voilà. Un insectologue, un... Comment ça s'appelle ça déjà? J'ai déjà oublié leur nom. Comment ils s'appellent? Les scouts? Oui, voilà, les scouts. Ah, mais il a juste un shiny pot. Mais de toute façon, je pourrais pas l'attaquer, donc... Tire de là. Un petit peu les entraîner. Peut-être que je ferai un peu d'XP en off, vous me direz. Ce que vous voulez. On va le rendre confus, tant qu'à faire. Est-ce que c'est une capacité... cheatée? Enfin, cheatée. Une capacité cool? Je sais pas. Enfin, rare plutôt. Vous savez quoi? On va faire notre crise acier en mode vraiment gros lourd. C'est-à-dire, on va le rendre confus. Et pendant ce temps, on va baisser son attaque. On va le tuer juste comme ça. Il va se tuer tout seul. On va le tenter. Si ça passe. Si ça passe, mesdames et messieurs. Nous, pendant ce temps, voilà. Comme ça, au cas où son attaque, elle passe. Il nous fera vraiment pas de dégâts. Mais what? Allez, vas-y, tu peux le faire, mon petit. Comment te faire péter un câble? Il est toujours confus. On va y arriver. Mais oui, mais... C'est ridicule. Non, mais là, c'est ridicule, quand même. Enfin, je veux dire... On est en train de lui faire très, très mal. Sans rien faire, juste en se laissant, comme ça, tranquille. Le chenipot n'est plus confus. Ah, ça, c'est moins bon. Bon. On a assez joué. On va envoyer... Poussin-Piou au combat. Et un petit flamèche, ça devrait le calmer. Ouais, vas-y, sécrétion si tu veux. Ah, aussi, l'un des premiers commentaires que j'ai vu disait ce serait cool que tu chopes un shiny. Alors, franchement, déjà si on tombe sur un shiny, mais alors en plus si on tombe sur un shiny au premier Pokémon d'une zone, je joue au loto quoi. Enfin, ce serait cool, mais je joue au loto. Niveau 9, parfait. Et feuille morte, niveau 6. Très bien. Il me semble que Après, on Volvi, nickel. Il me semble que Mediena, j'avais fait une expérience à l'époque, mais c'est comme... Vous allez certainement voir de quoi je parle. Mais il me semble que Mediena, pour le même nombre d'XP que par exemple un Zigzaton, il va moins monter... Enfin, sa barre va se remplir moins vite parce qu'il a besoin de plus de points d'XP. Moi, je me rappelle que j'avais fait cette expérience... Oh. Raté. Ah, parce qu'on s'est approché en rapide. Je me rappelle... je m'enfonce dans les hautes herbes. Hachoum, ok. Je me rappelle que j'avais fait cette expérience à l'époque sur les premières versions avec un Roukoul et un Rattata où le Roukoul montait beaucoup plus rapidement qu'un Rattata de niveau. Je vais attraper tout un tas de Pokémon. Non, bah là, il n'y a rien d'autre. Bon, on va s'entraîner un petit peu. Mais donc voilà, donc peut-être que... Mediana, ça va être pareil. Un Chenipot, encore un. Écoutez, bah au moins on a Volvi maintenant pour lui enlever. Ça va être cool. Donc on ne peut plus l'attraper, évidemment, comme je le disais. Dancefall, c'est bien. Hein. Enfin, au moins ça nous le rend confus direct au début du combat. Ça lui met un handicap. C'est pratique. Alors, je sais pas si vous considérez qu'on avance vite ou pas. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, je pense que je vais prendre mon temps. Pour deux épisodes de 30 minutes. Là, si on pouvait arriver déjà à la ville suivante, ce serait bien. Mais bon. Je préfère pas aller... On a fait un coup critique en Volvi, hein, je tiens à le dire. Je préfère pas aller trop vite. Parce que sinon, la moindre erreur pourrait être fatale à l'un de mes Pokémon. Donc, on a Volvi sinon pour l'arène maintenant. Ça peut être utile. Je n'ai pas été confus. Voilà, allez, vas-y, salut. Et moi, on les entraîne un petit peu. C'est parfait. Écoutez, pour le moment, ça se passe vraiment bien, je trouve. Je suis assez ravi de ce qui nous est arrivé. C'était assez fou. Je pensais vraiment pas avoir le chien avec Rogivre. Ça, c'est génial. C'est juste génial, je trouve. Puis lui qui monte tranquillement de niveau. Hop. Voilà. Ça rend le chenipot confus. Ce serait bien d'avoir un chenipot quand même. Parce que quand ils évoluent, après ils ont des attaques psy. Hein. Surtout, enfin le mâle surtout, il a une attaque psy. Ça serait bien d'avoir un chenipot. Dans la forêt, je pense qu'on pourra en trouver. Mais ouais, ça serait cool. Chenipot ennemi est confus, utilise charge. Vas-y si tu veux. Volvi. C'est pas très efficace, mais au moins ça l'entraîne. Il va se blesser. Voilà. Ça, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Comme je vous ai dit, pour le moment, je pense que le Zigzaton, on va pas... Faut que j'apprenne à les appeler par leur surnom, mais moi, dans ma tête, c'est encore... Je pense pas qu'on va s'en servir pour le moment. On le garde juste parce qu'il a la capacité ramassage, clairement, je vous le dis.
Ça peut être utile s'ils nous chopent un super bonbon, ce genre de truc. Ça peut être pratique. Voilà. Voilà, au moins on se remonte et Shunnypot ennemi est KO. C'est pour aller beaucoup plus vite avec Poussin Piyou, mais faut un petit peu monter les autres aussi. Hop, de toute façon là je crois qu'on est au bout de la route. Quasiment. Quasiment, on va arriver à en sortir, vous inquiétez pas, on va arriver. Et c'est un Mediena. Alors, cette fois-ci on va switcher, je pense. On va envoyer, hop, on va envoyer Poussin Piyou, qui est déjà niveau 9. Faudrait envoyer Croblant également, mais je sais pas, on est bien là en termes de... Bon, en termes de niveau, on n'est pas très très haut, on est encore au tout début. Mais, je sais pas, c'est... Pour le moment, on n'a pas de difficulté à combattre. Flamèche, voilà, nickel. Ça, ça va très vite au moins. Normalement, Feuille Morte, il va monter, voilà, il va monter niveau 7. Parfait. Wow, d'accord. Ah ouais, il m'a distingué alors que j'étais pas vraiment dans son alignement, quoi, c'est... Excusez. Ok, il a deux Pokémon, alors il a un Mediena. Qui doit être du coup assez haut en niveau. On va le rendre confus déjà. Ouais, assez haut en niveau. N'exagérons rien. Déjà, on va le rendre confus. Ça rend le Mediena ennemi confus. Voilà, parfait. Et maintenant qu'il est confus, on va envoyer Croblant qui va aller l'attaquer. Parce qu'il faut également un petit peu l'entraîner quand même. Je kiffe ce nom, je suis content de mon nom, vous voyez. Vas-y, blesse-toi. Parfait. J'ai l'impression qu'ils se blessent vachement souvent dans leur confusion. Alors est-ce que c'est l'attaque qui a un taux de confusion fort? Mais ça n'existe pas, ça je crois pas en tout cas. Mediana ennemi est KO, nickel. Croblant a gagné 48 points d'XP. Vous voyez, lui, il monte très peu. Hein. Un Hirondelle. Ah bah oui, je garde alors. Parce qu'une Hirondelle est un Pokémon de type vol, du coup. Avec notre attaque glace, on va se faire très plaisir. Tiens, vas-y. Bonjour. Au revoir. Coup critique, super efficace. Allez, la totale, vas-y, casse-toi. On te défonce 22 points d'expérience. Par contre, ce n'est pas beaucoup. Effectivement. Mais on remporte 32 Poké-Dollars. Et ça, c'est cool. Du coup, on va pas tarder à se laisser les amis, j'aimerais bien quand même que Croblant passe au moins au niveau 7. Donc on va le mettre devant. Non, devant j'ai dit. Voilà. On va aller prendre les baies ici, ça pourrait être utile. Alors on a quoi? L'arbuste à baies au rang. Alors moi je suis un vandale, je replante pas les baies, je vous le dis. Je sais pas si vous le faisiez, j'aime bien la petite animation. Mais moi je replante jamais les baies, ça me saoule. Donc... Je vais pas les replanter, je vous le dis. Y'a quoi ici déjà? Y'a quoi ici? Ah mince! Ouais, d'accord. Ok, c'était un raccourci. Y'a pas quelque chose. Non, je peux pas. Ok, c'était ouais, c'était le raccourci. Ok, ok. Hop. Ça va, heureusement qu'on peut vite revenir. Hop. Et du coup. Ah! Et du coup, il reste un dresseur. Fais-moi avancer dans ma carrière. Yeah. Je vous avoue que j'ai du mal à reconnaître les routes. Enfin, je reconnais le. Comment dire le. Le design, on va dire, l'organisation de la route. Mais c'est tellement... Ça a tellement été revu, révolutionné, pardon. Que j'ai un petit peu du mal sur certains endroits, ouais. Je me dis, ah ça y est, on y est, bah en fait non. Attention. On lui fait mal quand même. Encore deux coups comme ça. Mimiqueux, c'est pas good du tout. Parce qu'elle a un coup critique et il peut me mettre KO. Ce serait bien de le geler. Il a gelé personne pour le moment, ça serait bien. Ah, oh, vous savez quoi, on va pas prendre de risque. On va envoyer Feuille Morte. Et il va le terminer. De toute façon, là, il devrait quand même passer niveau 7, je pense. Dernier petit effort. On n'aura pas vu de Tarsal. Bon, c'est un peu le... c'est un peu le Saint Graal de début d'aventure, hein, Tarsal. On n'en aura pas dans notre équipe, en tout cas pas ici. Je sais plus s'il y a un autre endroit où est-ce qu'on peut choper un Tarsal, je vous avoue. Oh, certainement, mais bon. On verra bien. Parfait. Zigzaton est mort. Voilà. Et il va peut-être même passer niveau 8, lui. Lui, il passe niveau 8. Ouais. Il gagne beaucoup plus d'XP, Feuille Morte, ouais. Bon, c'est bien. Il le rattrape. Ah ouais, vous avez vu? Croblant monte au niveau 7. Mais lui, il est déjà quasiment niveau 9. Apprends jet de sable. J'aurais préféré que tu m'apprennes un truc genre vive attaque. Une attaque normale, quoi. Ou griffe. Bon, après, t'apprendras morsure et tout, ce sera bien, mais... Pour le moment...
J'aurais préféré, j'avoue tout. Et... Ah, qu'est-ce qui se passe? Hé hey! Comment ça va, Julien? Tu t'en tires comment? Tu arrives à marcher furtivement? Le Navidex est bien pratique, pas vrai? Je m'en sers pas. Si tu n'as pas encore essayé, tu devrais expérimenter le mode recherche. C'est une fonction de Navidex qui réagit quand il y a un Pokémon à proximité. C'est super pratique. Ah. Oh! Qu'est-ce que t'as vu? Oh, la cinématique, j'adore. Regarde, là, Julien! Oh, des charmillons. Oh, la cinématique comme ça. Ah, mais oui, mais j'approuve tellement. La ville vue comme ça. C'est tellement classe. C'était quoi? Des charmillons, peut-être? Faudra consulter le Navidex pour en avoir le cœur net. La route 102 est vraiment courte. Plus on s'amuse, plus on a l'impression que le temps passe vite. Regarde, on est déjà arrivé à Clémentiville. Ton père, Monsieur Norman, est le champion d'arène de cette ville, c'est bien ça? Quand je me serai un peu mieux entraîné avec mes Pokémon, j'irai peut-être le défier, qui sait. Allez, bon voyage, Julien, à bientôt. À bientôt. Alors. Il reste quelque chose ici. Oui. À savoir une potion. Magnifique. Hop. Bah voilà, bah écoutez. Je pense qu'on va gentiment pouvoir se laisser. Probablement. Je mets feuille mort devant au cas où on rencontre d'autres Pokémon parce qu'il est pas loin de passer au niveau suivant. On n'aura pas vu de Tarsal. Elle a un petit Tarsal peut-être là comme ça. Allez, bim 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 le Tarsal. Eh ben non. Pas du tout. Donc, mon attaque ne lui fera absolument rien. Au final, il est pas type O, lui. Hein. Enfin, je crois pas. On va vite le voir. Attendez, on va vite le voir. S'il est seulement type plante, j'aurais dû regarder, en fait, tout simplement dans ses stats, mais... c'est pas grave. Ou s'il est aussi... Ah, il a étonnement... Ah, vous voyez, c'est ça, ça remplace une attaque. C'est-à-dire que le mien, il a l'attaque qui rend confus à la place d'étonnement. Tout comme... Il a pas dit que c'était super efficace. Je vais vérifier. Tout comme Mediena, lui, il a Crogivre à la place de... Ça doit être de morsure, je pense. Qu'est-ce que tu me dis à propos de lui, du coup? Il est quoi? Il est aux plantes? Il est aux plantes, je m'étais pas planté, il est aux plantes. Je m'étais pas planté, là là, ok, ça va, d'accord. Bon, allez, ça suffit. On va, du coup, arriver à la ville. Hop, Clémentiville. Et on va pas l'explorer aujourd'hui, on va tranquillement se poser au centre Pokémon. Et s'arrêter là. Dites-moi si en termes de rythme, ça vous convient, si vous... ça cool. Bon, j'avais dit qu'au final je ferai un peu d'XP, peut-être en off pour la prochaine fois. Finalement, je suis pas sûr que ce soit nécessaire parce que notre équipe est plutôt bien comme elle est là, je trouve. Enfin, elle est. Attendez. On va faire un petit check. Non. Enfin oui, je vais sauvegarder, mais pas tout de suite. On a. Bah, écoutez, on a Feuille Morte qui est niveau 8, plutôt bien. Poussin Pillou qui est passé niveau 9, on l'aura pas trop joué aujourd'hui, c'est vrai. Et Croblant qui est niveau 7. On aura eu deux Pokémon très sympas, franchement. Plus Croblant, j'avoue, Crogive, moi ça me plaît bien. Dancefall, c'est bien pour rendre confus. Bon, et puis après, il y a lui. Qui, pour le moment, je vous ai dit, va juste nous servir de ramasseur d'objets. Parce que niveau 3, c'est un peu chaud à l'entraîner en étant niveau 3. Donc pour le moment, je pense que c'est correct. Sur ce, moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu autant que le premier épisode, si ce n'est plus, pourquoi pas. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires dans l'espace approprié et également à laisser un j'aime, ça me fera super plaisir. Merci beaucoup d'être aussi nombreux a priori à vouloir suivre ce let's play. Et rendez-vous dans 2 jours encore une fois pour la suite de Pokémon Saphir Alpha en Nuzlocke Challenge. Allez, bye tout le monde.